Le 9 décembre dernier avait été rendu à Johnny Hallyday un hommage populaire sur les Champs-Élysées puis à l'église de la Madeleine. Des centaines de milliers de personnes avaient assisté à l'événement, tandis qu'une quinzaine de millions des autres l'avaient suivi à la télévision. Et bon nombre d'entre eux avaient été choqués par le comportement de Claude Lelouch. Ami proche de Johnny Hallyday, avec qui il avait collaboré dans Et l'aventure c'est Et l'aventure en 1972, Salaud ton TM en 2014 et Chacun sa vie en 2017, le célèbre réalisateur essaie d'attirer le courroux du grand public en filmant Et l'événement avec son téléphone portable. Un comportement déplacé aux yeux de Et l'opinion. Lundi soir, Claude Lelouch a répondu aux questions de Léa Salamé dans Stupéfiant. Tandis que l'émission était consacrée à Johnny Hallyday, le réalisateur est revenu sur son comportement du 9 décembre. Et a expliqué pourquoi il avait choisi de filmer la cérémonie, « J'avais envie de laisser un petit cadeau aux enfants, j'ai fait ce film pour eux. J'ai filmé Johnny pendant toute sa vie, ça aurait été dommage que je ne filme pas ce jour-là » a-t-il expliqué, rappelant qu'il y avait 1 million de gens qui filmaient.